Merci de nous retrouver sur InfoLife TV, voici les titres de l'actualité. La première phase de l'accord entre Israël et le Hezbollah est en cours. Tôt lundi matin, les quatre détenus libanais qui doivent être libérés par l'état hébreu ont été transférés dans la prison de Khadarim, près de Natania, en vue de l'échange de prisonniers conclu avec la milice chiite, qui doit débuter mercredi. Tous capturés par Tsal au cours de la deuxième guerre du Liban, ils ont rejoint le terroriste Samir Kuntar, qui lui aussi retrouvera la liberté après 28 années passées en détention. Les prisonniers libanais seront rendus ainsi en échange des soldats Eldad ou de dont on présume qu'ils ne seront plus en vie. La Knesset a approuvé ce lundi en seconde et troisième lecture une proposition de loi accordant au ministre de l'Intérieur le droit de destituer la nationalité israélienne aux complices de terrorisme, aux espions ou à tout citoyen ayant violé son serment de loyauté vis-à-vis d'Israël. Cet accord a fait écho à des mentions similaires soumises au Parlement à la suite de l'attentat contre le centre talmudique ou l'attaque au bulldozer perpétrée à Jérusalem par des Arabes israéliens. En visite à Paris, le président syrien Bachar Assad a déclaré dans une interview accordée à France Inter qu'une guerre contre l'Iran entraînerait une riposte de la République islamique contre Israël et que les conséquences seraient dramatiques pour toute la planète. Bien que minimisant les risques d'un conflit avec Téhéran, le leader syrien a par ailleurs estimé, je cite, que le problème est que lorsqu'on commence une action au proche on ne peut pas gérer les réactions de des décennies. Le candidat démocrate à la présidentielle américaine Barack Obama rencontrera la semaine prochaine le dirigeant palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah, ainsi que le premier ministre israélien Ehud Olmert à Jérusalem. L'annonce de sa venue survient un jour après que le candidat démocrate est tenté de minimiser des propos sensibles concernant la division de Jérusalem. Obama rencontrera également la ministre des Affaires étrangères Tzipi Livni ainsi qu'Ehud Barak. Le tourisme continue de bien se porter en Israël. Pour le seul mois de juin, les autorités de l'aéroport Ben Gurion ont enregistré la visite de près d'un million de visiteurs étrangers, soit une augmentation de près de 19% par rapport à l'année précédente. Au total, près de 7600 vols internationaux ont intérêt à l'aéroport international israélien. À noter que Sky Airlines, Delta et Arkia sont les trois compagnies aériennes qui ont réussi à tirer leur épingle du jeu, de cette embellie. C'est la fin de ce flash, merci de nous avoir suivis sur InfoLife TV, la première télévision israélienne sur Internet qui émet en quatre langues depuis Jérusalem.